Bonjour, goedemiddag. Uw vragen. Ga je gang. Je ne sais pas si ce sera prêt pour le match, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait attendu. Donc il est déjà sorti aujourd'hui. Mais voilà, on a encore un jour demain avant le match. Et puis on devra voir s'il est vraiment assez prêt pour être sélectionné. Mais c'est beaucoup mieux que qu'on avait tous attendu. Hein. On avait peur que qu'on l'avait perdu de nouveau pour plusieurs semaines, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, personnellement, si ce n'est pas le cas, après, il y a une trêve internationale, naturellement. Mais de toute façon, il sera certainement de retour pour le prochain match du championnat. Donc, s'il n'est pas prêt pour dimanche contre Moucron, il sera là de nouveau. Ja, maar heeft ze blijkbaar kunnen controleren, zoals dat gezegd. Dus hij is zijn voet voelen gehaald, maar heeft hem toch kunnen terughalen. Dus daarmee dat het minder erg is, denk ik. Nee, geen bijkomende blessures uiteindelijk. Er waren wat kleine zorgen, maar het ziet er niet naar uit dat wij iemand gaan buiten natuurlijk de langdurig afwezigen. Maar voor de rest gaan we denk ik over heel de groep kunnen beschikken. Je parle toujours à mes joueurs. Hein. Si on gagne, je parle à mes joueurs. Si on perd, je parle à mes joueurs aussi. La conversation est toujours différente. Si tu dis toujours la même chose, après quelques temps, ça ne prend plus. Donc il faut avoir une approche toujours différente. Mais voilà, je ne vais pas dire devant la presse ce qu'on a dit. J'espère quand même voir un groupe qui va réagir après la défaite qu'on a eue au PSG. J'attends quand même que le groupe va réagir. C'est la moindre des choses qu'il doit faire. Justement, Kara pointe un petit peu le manque de caractère, de harem du groupe à Paris. Vous leur avez demandé justement d'être plus sec et d'être agressif positivement, je veux dire. Je ne veux pas dire ce que j'ai dit, hein, mais voilà. Je peux, si Kara a dit ça, je peux le suivre dans ses idées. Hein. Verrassend. Is dat ook een van de opdrachten die tegen de Brugge misschien anders zal zijn? Nee, ik geef nooit de opdracht om kaarten te pakken. Hè. Nooit. Hè. Maar uiteindelijk, als je als ploeg minder bent dan je tegenstander, ja, dan moet je toch op zijn minst proberen te verweren. Dat is duidelijk. En ik denk niet dat we dat goed gedaan hebben. Dus dat was inderdaad iets wat beter had gekund. On a vu dimanche dernier que Saint-Tron, pendant une heure quasiment, a posé d'énormes problèmes à Bruges, notamment grâce à son assise défensive avec trois centraux. C'est une idée, c'est un truc que vous avez remarqué aussi, que cette équipe elle avait du mal face à certains types de... Je crois que Bruges a déjà eu pas mal de problèmes dans beaucoup de matchs. Hein, mais voilà, à la fin, ils savent toujours quand même obtenir le résultat. Hein, donc ce n'est pas que Bruges surclasse toutes les autres équipes. Hein. J'ai vu le match à Zulte-Waregem aussi, où là, sans l'aide du vidéo référé, ils ne peuvent jamais gagner le match. Mais voilà, c'est une équipe qui est, dans les résultats, assez constante. Ils obtiennent chaque fois le résultat. Ils ont gagné maintenant 11 fois, perdu 2 fois, aucun nul. Voilà. Ils sont très forts sur les phases arrêtées, parce qu'ils ont déjà mis énormément de buts sur les phases arrêtées. Donc le danger vient un peu sur de tous les aspects. Hein. Il n'y a pas que les attaquants qui marquent, il y a les ailiers qui marquent, il y a les phases arrêtées qui sont là. Donc c'est une équipe qui est prêt, physiquement prêt aussi, mais qui ne surclasse pas toujours son adversaire, mais qui à la fin gagne le match. C'est un peu comme on disait dans le passé toujours sur les Allemands. Hein, ils ne sont pas impressionnants, mais à la fin, ils gagnent le match. Donc ça, c'est Bruges un peu pour le moment. Et pour les battre, il faut quand même être efficace. Éviter de prendre des buts faciles. Et les occasions qu'on a, parce qu'ils n'en donnent pas trop, essayer de les conclure, de les mettre au fond.
Vas-y, vas-y. Oui, oui. Vous expliquez comment justement le fait que Bruges n'est pas si dominant, mais arrive quand même à être en tête du championnat avec des statistiques quand même assez impressionnantes. Bah, je viens de le dire. Hein. Il y a les différents aspects sur lesquels ils savent marquer. Donc il y a beaucoup de joueurs qui marquent des buts. Il y a les phases arrêtées qui leur donnent toujours des solutions. Si ça ne va pas dans le jeu avec les phases arrêtées, ils font la différence. Et ils sont physiquement au top. Chaque joueur est physiquement en ordre. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais de problème physique. Donc il n'y a jamais de déclin dans cette équipe-là où tu peux dire « maintenant ils sont fatigués », ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça fait une équipe qui est costaud, qui est fort, qui est costaud et qui sait faire la différence dans beaucoup de matchs. Voilà. Après la défaite contre Paris, vous pensez que le match de dimanche peut être déterminant au reste de la saison ? Non, j'ai encore beaucoup trop tôt, mais... Ok, si tu perds naturellement, ça devient 12 points. Ça, c'est beaucoup. Hein. Donc, je n'ai pas beaucoup l'habitude de perdre à domicile contre Bruges. Anderlecht apparemment non plus. Donc, on n'a pas pourvu maintenant de perdre le match contre Bruges. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut essayer de gagner ce match-là et se rapprocher de Bruges. Si on sait le faire, on fait une très bonne affaire en championnat. Ik ga geen individuele analyse geven, maar ik heb het na de wedstrijd gezegd. Hè. Er zijn spelers die het niet goed hebben gedaan in die wedstrijd en die niet tevreden kunnen zijn. En er waren er ook wel, heb ik gezegd, na de match, die wel konden terugblikken op een goede wedstrijd. Dus we nemen alle info mee die we daar gezien hebben terug naar de volgende match. En okay, dan gaan we proberen om telkens, zoals we iedere keer doen, de juiste keuze te maken. Quelle déclaration ? Il a expliqué qu'il était très surpris de ne pas jouer, qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas. Est-ce que ça vous surprend ? Oh non, ça ne me surprend pas. Hein. Un joueur qui ne joue pas beaucoup, c'est logique qu'il est déçu, qu'il se pose des questions, mais voilà. Je crois qu'il est dans cette situation pas depuis... Je suis là depuis combien de mois, semaine ? Pas un mois, même un mois ? Presque un mois. Presque un mois, donc... Je crois que ces questions-là, il peut les poser depuis plus qu'un an déjà. Hein. Et pas seulement avec la période que moi je suis là. Donc voilà, je comprends qu'un joueur est déçu, mais souvent aussi les joueurs doivent se mettre en question eux-mêmes aussi. Hein. Si ça dure depuis déjà pas mal de temps, alors peut-être le joueur doit une fois se mettre devant le miroir et dire « Ok, pourquoi ça ne marche pas ?» ni avec lui, ni avec celui qui était avant lui. Donc, c'est toujours possible qu'un entraîneur, il y a des joueurs qui préfèrent sur d'autres, mais si ça arrive deux fois de suite, à ce moment-là, ce n'est pas toujours la faute à l'entraîneur qu'un joueur ne joue pas beaucoup ou pas assez selon le joueur. Aan de ene kant, efficiëntie offensief. We hebben al een match gehad waar we veel kansen hebben gemist. Hè. Zo de Waregem ook. Ook zelfs tegen Genk hebben we mogelijkheden gehad om het sneller af te maken naar onze kant te trekken. Dan scoren we weer 3 keer in Eupen, scoren we 4 keer in Mechelen. Dus er zijn matchen geweest waar we dat wel efficiënt waren. Dus ja, het is vooral niet constant, zou ik zeggen. Hè. Er zit geen constant in. De ene keer wel, de andere keer niet. Ook defensief. De ene keer geven we niet veel weg. De andere match geven we dan wel weer veel weg. Natuurlijk, ik denk dat je de match tegen PSG dat je die echt wel in een kadertje apart moet steken. Hè. Daar kun je heel weinig over zeggen als je tegen PSG... je kan het beter doen, hè. Pas op. Daar ben ik ook mee akkoord dat het beter had gekund. Maar verliezen tegen PSG, dat gaan heel veel ploegen dit jaar doen, denk ik. Hè. Dus... Je mag niet vergeten dat Anderlecht momenteel, hoeveel is het op budget? 270ste in Europa is op budget en PSG is de eerste, om tweede, of derde misschien. Top 5 zeker. Dus ja, dan kun je niet echt verwachten dat je tegen dergelijke ploegen zomaar gaat uitpakken met een verrassing. Hè. En die ongeslagen reeks thuis van jezelf als van Anderlecht tegen Club Brugge, is dat...
Ik denk niet dat dat nog extra, maar het is wel iets wat we moeten in stand proberen te houden. Hè. Ik denk dat wij er alles aan gaan doen, voor ons publiek ook, om toch ervoor te zorgen dat Anderlecht thuis... eigenlijk moeten we zorgen dat we thuis geen punten laten liggen. Dat is jammer genoeg tegen Genk nu al gebeurd. Ook voor mijn periode tegen Sint-Truiden. Dus ja, mag van mij stoppen hier. Ik denk niet dat we thuis nu nog veel punten moeten weggeven, maar oké. Het is een moeilijke match. Men weet dat Club Brugge op het moment... Ja, de ploeg is waar alles een beetje mee zit. Dus ja, dan is dat niet zo evident om dat te gaan keren. Maar ik denk dat wij er alles zullen aan doen om dat te proberen te realiseren. En met de steun van het publiek, die er toch altijd in zo'n match dubbel en dik staat. Ik denk dat het publiek ons ook ongelooflijk goed gesteund heeft tegen Zulte Waregem al. Dus laat ons hopen dat ze dat weer doen. En ik ben er ook van overtuigd dat dat het geval zal zijn. Ik zeg altijd, als we thuis spelen, zijn we altijd favoriet. Tegen om TVW. Alleen misschien niet tegen PSG, alhoewel daar de eerste helft waren we eigenlijk ook, vond ik beter dan hen. Maar thuis, je ziet het verschil. Hè. Thuis en uit is nog altijd een immens verschil. Dus thuis moeten wij altijd favoriet zijn. Qu'est-ce que vous conseillez de l'école en Russie? Non, pas du tout. Je l'ai vu la saison passée, après la saison. J'ai parlé un moment avec lui, avec son épouse et... Et voilà, je l'ai félicité pour le travail qu'il avait fait. Là, à ce moment-là, c'était pas encore, on ne savait pas encore qu'il allait aller à Bruges. Donc, je l'ai félicité pour son travail à Saint-Tron, qui était quand même très bien, avec sa philosophie de jeu aussi. Donc voilà, je suis très content pour lui, parce que c'est un top gars qui le fait bien après un départ difficile, où déjà, dès le début, il recevait des critiques à cause du fait que, ok, ils se sont éliminés en Europe. Mais voilà, je crois que maintenant, il a prouvé quand même qu'il sait mettre une équipe en place avec ses idées. Donc voilà, c'est bien pour lui. Speelt hij vroeger of is er nu een voordeel in de competitie? Ja, dat kan wel, dat inderdaad meespeelt. Hè. Ik zou niet zeggen voor zondag, maar... het is inderdaad wel zo dat ploegen die Europees spelen, ja, toch wel in het verleden ook gebleken is dat ze al vaak punten hebben laten liggen daardoor. Hè. Zo te Waregem ook, is ook in het geval, denk ik. Bij ons is dat nu voorlopig wel meegevallen, maar ja, het is toch altijd een voordeel inderdaad als je hele weken hebt. En zeker in ons geval, en dan in mijn geval persoonlijk, je mag niet vergeten, ik zit er nu al wel een maand, maar ik heb nog bijna geen enkele keer 3 dagen training naar elkaar gehad. Hè. Dus... we hebben nu de laatste 4 matchen telkens gespeeld met 2 dagen ertussen. Dus dat is al 1 dag herstel eigenlijk, volledig herstel. En eigenlijk is de 2e dag nog meer herstel bijna. En dan moet je al je tactische voorbereidingen doen. Dus je hebt heel weinig tijd om wat extra's te doen, hè, op welk vlak dan ook. Dus ja, we zitten ook wel ergens te wachten totdat er een keer een periode aankomt dat we iets meer tijd hebben om met die groep nog meer gedetailleerd te gaan werken op een aantal zaken. Après toutes les polémiques concernant l'arbitrage qui a eu le week-end dernier, notamment qui ont touché le match de Bruges hein, aussi, vous pensez que ça peut être une des données qui pourrait décider de l'issue de la rencontre dimanche? On ne sait jamais, hein, mais personnellement, je vois quand même qu'il y a des jeunes arbitres qui sont en train d'évoluer de la bonne façon. Ok, il y en a pour le moment 8, je crois, qui sont dans une situation semi-professionnelle. C'est pas suffisant naturellement parce qu'il y a aussi les assistants qui ne sont pas en semi-professionnels. Donc, j'ai encore fait la remarque le dernier match où les arbitres maintenant commencent à laisser jouer plus, où dans le temps ils sifflaient à chaque petit contact, ils sifflaient. Maintenant ils laissent plus jouer comme on l'a fait en Europe. Donc c'est une bonne évolution. Donc je trouve que les arbitres sont en train de faire des pas en avant. Je crois que là les situations qu'on a eues, ben, c'est des situations avec... avec le vidéo référé, c'est une chose nouvelle qui n'est pas encore tout à fait bien en place, je crois, ou peut-être la confiance entre les deux parties n'est pas encore tout à fait comme il fallait l'être. Maintenant, j'ai entendu qu'il n'y aura pas de vidéo référé. Donc voilà, au moins, il n'y aura pas de discussion entre deux arbitres, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Moi, j'ai plein confiance dans ceux qui vont faire le match, qu'ils vont essayer de faire un bon match. Hein, parce que je dois dire vraiment, j'ai
quand, il y a 2 ans, je me suis posé déjà à ce moment-là un peu la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop jeune? Mais voilà, on était obligé de le faire parce que... Mais je dois quand même dire qu'il y en a qui progressent bien. Et je crois que dans quelques années, on aura de nouveau des arbitres sur le plan européen qui vont montrer qu'ils ont vraiment des qualités pour faire. Peut-être pas assez, mais il y en aura certainement. Et aussi, Federer, de son, a fait une vidéo, Jeff. Oh, mais Marc Tanis of Eloet. Het is wel raar. Ik vind het wel raar dat je misschien de grootste match van het jaar dan doet zonder videoref. Vind ik eigenaardig, hè? Omdat dat uiteindelijk iets is wat in de Champions League altijd wordt toegepast, in de grote competities wordt toegepast. En we gaan in play-off 1 iedere match doen met videoref. Ja? Waarom? Waarom niet in play-off 2? Waarom in play-off 1? Omdat dat de grote matchen zijn. Hè? En nu speelde Anderlecht Club Brugge en nu doet het niet. Dus eigenlijk gaan ze een beetje in tegen een eigen idee van oké, de grote matchen moeten we dekken. Moeten we... En nu doen ze het niet. Ja, oké. Maar ik maak er geen zaak van. Hè. Het is een vaststelling. En hoe belangrijk is de match van zondag voor het grote plaatje? Voor ons is het sowieso een heel belangrijke match. Hè. Maar dat is iets wat ik in het begin al gezegd heb. Hè. Als je met een achterstand staat op je concurrent, ja, dan weet je dat die onderlinge duels voor u nog belangrijker zullen worden dan voor hen. Hè. Zij kunnen zich een verlies permitteren. Ze hebben nog altijd een mooie voorsprong. Voor ons is dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Blijven dan matchen met dubbel zoveel belang voor ons dan voor hen. Hè. Want als je moet achtervolgen, ja, dan zijn de momenten om terug te komen, die zijn in de onderlinge duels. Hè. Dus voor ons is die match dubbel zo belangrijk als voor Brugge, denk ik. Au-delà de toutes les considérations tactiques et mises en place, etc., on a l'impression que peut-être la clé du côté d'Anderlecht, ça va être l'amour propre des joueurs à un moment. Est-ce que vous sentez qu'il faut faire passer ce message-là aussi en disant on a Bruges en face et on met Anderlecht ? De toute façon, ça doit jouer. Hein, parce que là, ce que vous avez déjà mentionné, là, il me manquait un peu de ça aussi hein, au PSG. Hein, la fierté, quand même. Ok, on sait bien qu'on joue contre des vedettes, mais comme je pourrais le dire, il ne s'agit pas déjà d'avant le match de dire quel maillot je pourrais avoir, celui de lui ou de lui ou de lui. Non, il s'agit de jouer un match et de montrer qu'on est présent hein, et de laisser quand même sentir qu'on est présent. Hein. Je crois maintenant pas vraiment que le PSG a vraiment senti qu'on était là. Hein. On les a pas mis en problème. Pourtant, il y a eu beaucoup de moments de reconversion où on a récupéré des ballons pour faire quelque chose, mais on n'a rien fait. Le gardien, il était tranquille. En plus, dans les contacts, ils nous ont senti pas du tout parce qu'on ne l'a pas fait de faute. Donc là, j'espère quand même que la fierté et l'amour des couleurs sera là dans ce match-là contre Bruges. Sinon, disons que les supporters peuvent encore accepter le fait que tu es surclassé du PSG, mais ils ne vont pas accepter que c'est le même comportement contre un de leurs adversaires, Bruges ou Standard, dans ces matchs-là. Il faut montrer quand même qu'on est là. Hein. Goh, iemand, ja. Meer dan iemand, hè, denk ik. Van mij mogen er meer zijn. Hè. Als je kijkt naar bepaalde clubs, en daar is Brugge één van. Hè. Daar staan meer dan één iemand op het veld die zich eens laten gelden als nodig is. Hè. Ik ben er vast van overtuigd dat Brugge tegen PSG gespeeld. Ja, dan waren er zeker kaarten gevallen. Hè. Op zijn minst een pak kaarten. Hè. Ik denk dat de scheidsrechter van dienst zoiets gemiddeld heeft van 6-7 kaarten per wedstrijd. Nu heeft hij er geen één moeten trekken, dus het was een rustige dag voor die mensen. Heb je dan een bepaalde persoon? Nee. En als ik dat zou doen, dan zou ik dat ook hier niet zeggen. Maar ik vind dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid moet. Ik denk niet dat we daar moeten zeggen, jij of jij. Ik denk, al diegenen die op het veld staan, die moeten zich laten gelden. Die moeten zorgen dat ze, ja, dat ze toch minstens tonen van, oké, je staat een ploeg. Hè. Je staat toch 11 spelers die niet met zich laten sollen. Oké, laatste vraag, de Christian. Geen meer. Zie, dat is veel. Moet dat rapper zijn. Veel. Merci, coach. S'il vous plaît.